l'année 2022, t'en mets à plusieurs dossiers sensibles, plusieurs points sensibles dans l'actualité politique pays. C'est une année en toute ébullition. Donc là, selon sous digne de foi, on sous nous a fait confiance, il y a maximum 3 ministères qui ont participé red dans le boycotté enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qui est-ce, comment, pour qui ça, dans qui objectif, ces réponses sans yo, je vais répondre avec vous pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier lundi dans le mois de janvier 2022. Dans 8 jours encore, si l'actualité politique a été comme ça, si la scène politique a été comme ça, Haïti sujet à connaître, il y a un gros vide institutionnel, si toutefois le Premier ministre Ariel Henry, il décide de camper des décisions pour le craser le Sénat. Eh bien, secteur démocratique populaire André Michel là y a lié yo même yo campé red dou derrière premier ministre de facto Ariel Henry pour le fin craser reste institution républicaine dans le pays. Eh bien, question, la grande question, c'est qui ça qui doit faire rapide vite pour rétablir autorité l'état en dedans pays. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue une autre fois sur Chanel Polan, TAC 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous parler politique, pour nous faire débat et surtout parce que nous avons fait nos confiances pour nous informer, nous avons fait nos confiances pour nous former, nous avons prêté connecté, Et bien déjà, m'a invité au partager vidéo, partager avec vos familles, partager avec vos amis. Et si vous regardez pourquoi abonner, pas hésiter, faire ça rapide vite. Nous prenons pas les pays, nous prenons le débat des micro présentations. C'est toujours même Yannick là en aller. Hey, aucun problème bon? Bagaille la petite. Restez là bas. Zas of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'an même. Ça pour le permettre de rallonger. Bal longueur vle, et puis survle, ou moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon yam. Et ou même ka fè rove. Ah, madame non pa vlo nan kaila. Kout ki lot fè pou pou. Ou fè bekate? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gimbon, yon traitement 100% naturel. Pendant 90 jours, tout bec a été fini, ça faut régler dans bon timamé. Tout garçon qui a utilisé entre 15 à 75 ans, ou pas besoin de peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relez dans 514-886-97-76 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur le website www.zestofmoringa.com. Suspend plein. Zest of Moringa, c'est solution. Jodian, c'est lundi 3 janvier. Et dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse, il y a une décision extrêmement importante que le pays Jamaïque prend. Avec un présumé assassin, Marion Antonio Palacios Palacios, qui finalement retourne la Kaili dans le pays Colombie. Pour qui raison? Comment ça fait fête? Ça fait ça arriver? Alors que l'autorité jamaïcaine, yo, demandé haïtien, demandé gouvernement haïtien pour yo te bayon surplus d'informations pour yo ka remettre yo palacios dans mes propres. Eh bien, qui s'acrivé? Nous songeons à parler, nous, il y a 3 ministères qui a participé dans le boycotté enquête assassinat président Jovenel Moïse. Bien entendu, qui est ce 3 ministères sa yoye? Qui moun sa yoye? Jodi an la, qui campé des présumés assassins yo, qui a boycotté toute enquête là, qui a boycotté toute information qui te ka permettre juge d'instruction Gary Aurélien d'y avancer. 3 ministères ça yo simple, 3 ministères ça yo, c'est des ministères clés dans enquête là. Premier ministère en question, c'est ministère Affaires étrangères. Parce que qui s'arrive nous dans une situation côté que Marion Antonio Palacios Palacios, de même que Samir Randal,
Actuellement là, yo retrouvé yo dans un pays étranger. Actuellement là, yo pas sous sol, yo pas en Haïti. C'est des moun qui te soit en cavale, c'est des moun qui t'a prend la fuite. Yon état étranger, un pays étranger poser la patte sous yo. Jusqu'à ce que gouvernement haïtien pral mette et en procédure en application pral mette des procédures en marche pour mander extradition yo, ça qui pas abouti. Dans situation dans Camarion Antonio Palacios Palacios, jodi en pays Jamaïque décide remettre la Colombie. Ça veut dire que ça Antonio Palacios Palacios li libre. C'est libre. Pour qui raison c'est libre? Ça passé. Alors que autorité haïtienne yo, yo dit que yo prend toute mesure qui imposé yo, yo fait toute démarche nécessaire yo qui pouvait aboutir avec extradition sans et Palacios, qui pouvait aboutir avec un suivi positif qui t'a pas le permettre une instruction Gary Aurélien, li auditionner Palacios, li tendre Palacios et prend toute mesure nécessaire yo, mais qui sacrifie. Dans liste document pays Jamaïque demande au gouvernement haïtien pour yo étudier, pour yo analyser, etc. etc. Et bien, qui ça yo pral découvrir? Yo pral découvrir que, gros ensemble de formations que le gouvernement haïtien baye, ça qui rentre en ligne de compte maintenant, c'est le deuxième ministère, là, n'a pas l'eau de ministère de la justice et de la sécurité publique. Gros ensemble de formations qui baye, qui pas à la hauteur, qui pas justifié que Palacios impliqué directement avec assassinat président Jovenel Moïse. Pour qui ça? Parce que l'on prend le cas du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, yo pas en mesure pour yo déterminer, pour yo justifier que Palacios li rentré directement en Haïti, mais qui quantité séjour li fait, mais qui déplacement, etc. Tout bagay ça arrive possible parce que trois ministères ça yo. Ministère de la Justice lui-même, m'bralvin sous pigo faute li pose, hein? Pigo faute qui la kojodi en Palacios par en Haïti, c'est le fait que le nous prend Colombien sa yo qui nan pénitencier national, alors que en principe, en règle juridique, en matière de droit, l'on arrête en moun li go quantité temps doit passer nan garde à vue, 48 heures, 2 jours maximum, avant que le paraître devant un juge pour juger en temps d'elle, pour juger en statuer sous situation là. L'on prend le cas de Colombien Sayo qui est dans le pénitentiaire. Donc, monsieur Sayo, il prend le courir sous exactement 6 mois. Il prend le courir sous exactement 6 mois depuis qu'il est dans le pénitentiaire national. On juge pour que j'aime tendre, on juge pour que j'aime déterminer culpabilité yo, on juge pour qu'on jam lié de manière définitive avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et le pire dans tout ça, l'on prend communiqué, l'on prend note que ministère de la justice lié avec document yo voyé dans le pays Jamaïque là, ou pral saisi tandis que il y a des informations qui font qu'on est, il y a des informations yo bay qui fait quoi que yon nan Colombien sa yo ki nan pénitencier national, yo pa gen yon grain avocat ki assiste yo. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'état haïtien tout dit Jamaïque, tout dit Colombie que droit prisonnier sa yo, droit colombien sa yo pa respecté. Donc, li clair. Si droit colombien sa yo pa respecté là ki nan pénitencier national, qui intérêt Jamaïque pral gagner pour yo livrer yo Palacios pour venir répondre question au juge alors que yo déjà connaît l'état haïtien gouvernement haïtien qui dit très clairement que ça nan pénitencier doit yo pas respecter donc yo pas venir ajouter un lot sous liste côté que l'état haïtien pral violer droit yo pral violer liberté etc. Donc li clair ça c'est premier faute là et moi même personnellement pensais moi était quoi. Tout écart qui gagne dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, yo fait de manière volontaire. Yo fait de manière volontaire. En façon pour yo mettre des entraves, pour yo mettre des pièges dans tout déroulement dossier, dans tout déroulement procédure là. Parce que très clairement, yo connaît gen moun k'ap sauver, gen moun ki pral gen tal cacher dans l'autre pays. Donc, moun sa ou lè rive ki sa yo pral mandé. Ça qui arrive gagner qui mande droit d'asile, ça qui arrive gagner qui l'autre tant qu'on prend le cas de Samir Handal qui est en Turquie par exemple. Samir Handal
moun sa yo gen l'autre nationalité ou gen l'autre citoyenneté. Nous pensons qu'on va le remettre nous comme ça. Yo pas remettre nous comme ça parce que droit moun sa yo va le violer en Haïti, droit moun sa yo va le léser en Haïti. Donc pays yo a toujours fait en sorte que protéger aux artistes, protéger citoyens. Même Jean Noël Colombie fait tout ça qui n'a pouvoir pour le protéger par la science malgré que Jamaïque a arrêté. Donc si l'État haïtien te vle te gon aboutissement qui te fait dans dossier Jovenel Moïse, si yo te vle vraiment pour moun sa yo ni Palacios ni sa Mirandal pou te retourner en Haïti, yo t'a pris toutes mesures nécessaires. Ou arrêté Colombien yo, ou t'a pas assuré yo que yo gen un avocat commis d'office qui a tendé, qui là avec yo, qui prend doléance yo, qui là pour défendre yo. Nous pas ba yo droit pour gien avocat et puis même droit ça nous refuser yo nous pas ba yo et puis nous pral écrire pour nous dire que Colombien ça yo qui dans prison yo pas gien avocat qui assiste yo. Est-ce que c'est pas et pas bagaille moun fou na fè là? Nous faire la connaissance de cause, nous faire parce que nous connaissons l'autre pays ça yo pas jamais accepter violation droit moun. Nous connaissons ni Jamaïque peut accepter, nous connaissons ni Dieu qui peut accepter, mais nous faisons quand même. Et le pire dans tout ça, nous mettons bagay ça, nous mettons information ça dans le document nous voyons comme demande d'extradition. En tout cas, au monde qui pas connaît qui quantité magouille qui a fait dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, ils ont pas connaît. Mais bagay yo là, information yo là. C'est qu'on est pour aller chercher qu'on est, c'est d'ailleurs pour aller pour venir informer la population, pour venir informer mon cap garder mon cap tendre. Là prend ministère des Affaires étrangères, ok, pas aucun problème, ok, nous fin fait nous fin et compléter dossier, nous prend toute information qui a sorti dans le ministère de la justice malgré aucun faille ou l'opre actuel chancelier haïtien Jean Généus, ok, yo traduit yo nan langue turque, yo traduit yo nan langue et anglais pour Jamaïque, etc. Pas de aucun problème. Maintenant, en termes de coopération, puisque déjà nous connaissons pas de traité d'extradition qui lié Haïti avec Jamaïque pour ta dire que pral fait pression. Bon, même le traité d'extradition, dans situation côté que l'État haïtien crée brèche ça, crée situation vulnérable ça pour prisonniers ça qui en détention, pas qu'aucun pays là qui pral arrêter un monde qui impliqué dans dossier assassinat Jovenel Moïse et puis qui pral vienne dire on pral remettre Haïti parce que l'État haïtien, gouvernement haïtien qui t'en montre toute faiblesse. Yo montre yo tout ou ni pa gen rien k'ap régler. Pa gen rien k'ap régler. Donc, ensemble des formations qui nécessaires, ensemble des formations qui indispensables pour te garantir extradition ni Palacios, ni Samirandal. Jodi an, ouais, c'est même autorité haïtienne qui boycotte l. Ouais, c'est ministère de la justice qui boycotte en bas, ou ouais, c'est ministère affaires étrangères qui boycotte en bas parce que yo pas en charge pour yo kembe, pour yo faire pression en termes de coopération. Là son nous non situation d'entraide judiciaire, nous non situation côté que tu as supposé gain des moyens de pression que chancelier haïtien a imposé, mais yo pas en mesure pour yo faire puisque là prend le cas par exemple du ministère de l'intérieur yo même ou prend et direction immigration et émigration, yo pas en mesure pour yo bay toute information, toute données, toute statistique qui gen pour avec déplacement, avec toute activité monsieur yo t'a fait sous sol haïtien depuis leur rentrée en Haïti. Donc comment on pral justifier? Comment on pral déterminer même au minimum, même pipiti et participation moun nan te ka gagner dans assassinat Jovenel Moïse? Comment on pral expliquer? Ou pral prétendre à travers ou pral dit dans la nuit du 7 au 8 et dans la nuit du 6 au 7 juillet et qui ont ensemble de Colombiens qui rentrent en Haïti qui viennent avec un microphone à me dire Jean moi yo fait la note yo adressé a. Si c'est ça moi yo fait la note, bon me chercher note là. Non note yo adressé avec gouvernement turc là pour Samirandal. Avec ça yo adressé avec gouvernement jamaïcain pour Palacios. C'est sûr que monsieur c'est temps y a fait passer, c'est temps y a fait moun perdu en façon pas qu'on est qui ça yo gagne comme objectif. Objectif principal c'est qui ça? C'est faire passer temps pour peuple haïtien. Blier si t'es un président yo assassiné, faire passer temps
pour dossier ça pas jamais avancer finalement il y a peut-être yo ka décidé yo classer sans suite ou bien peut-être au final yo bâclé en bagay ba ou et puis yo dou et colombien sa yo jugé yo condamné etc. Mais véritable cerveau yo véritable tête pensante yo on pas jamais joindre yo parce que c'est ça tout au long de yon procédure pas gain rien sérieux qu'à régler et nous pas arriver dans une situation dans dossier Jovenel Moïse gouvernement haïtien que ce soit différents ministères ça aujourd'hui qui a participé dans boycottage que ce soit la primature lui-même yo pral vinn créer une situation côté que même population haïtienne yo pral vinn soulever un paquet d'incertitudes un paquet de doutes dans ça qui gagne pour avec juge d'instruction Gary Aurélien parce que bon me dit nous jusqu'à date à la limite du contraire jusqu'à preuve du contraire gon ensemble de moun jodi an la même clameur public a cité nous dans dossier assassinat Jovenel Moïse nous poko jan mwè juge d'instruction Gary Aurélien pour le tadou li pral rele moun sa ou pral invité yo pour yo tande yo moun n'a pas besoin et coupable moun n'a pas besoin té si non té cité dans rapport de CPJ etc. Mais la clameur publique est extrêmement important pour prendre ça en considération gon paquet non moun k'a cité là. Gon paquet ton paquet non moun qui fait partie de la mafia économique, qui fait partie de la mafia politique, qui fait partie de ces bandits légal, on paquet moun k'a cité, paquet moun qui influent dedans pays on a cité dans dossier Jovenel Moïse. Pour qui sans juge d'instruction Gary Aurélien, li pa prend ça en charge pour dire la invité moun sa yo, la positionner moun sa yo, pour le connaître qui sa yo connaît de dossier, pour évaluer situation en façon pour voir ce qui fait. Nous, ouais, véritable préoccupation actuellement là, c'est casser feuille couvrir ça. À tous les niveaux. Et ceci dans tout ministère qui est impliqué, c'est casser feuille couvrir ça. Là, ma m'gen avec moi, note que ministère de la justice t'a écrit pour l'adresser avec autorité turque dans quatre demandes d'extradition pour Samir Handel. Note ça, il y a trois parties là-dedans. Il y a un contexte. Deuxième partie, il y a un incident faisant l'objet de l'enquête. Et puis troisième partie, il y a une recommandation. Bon, dans le contexte, c'est expliqué dans qui situation président Jovenel Moïse joint l'an Moli dans l'an 8 6 pour le 7 juillet. Non, ça qui est beaucoup plus intéressant, c'est dans incident faisant l'objet de l'enquête. C'est là on parle d'où que Samir Handel lui-même il fait partie de assassinat Jovenel Moïse, il fait partie de monde qui t'a pensé etc. Donc Samir Handel il prend la fuite, il y a allé qui était payant, il y a allé en Turquie. Maintenant recommandation qui fait là c'est pour permettre à ce que l'État haïtien y récupère Samir Handel pour venir répondre une question en juge d'instruction. Tout au long de notre ça, m'a cherché un lien de cause à effet. C'est pas seulement dit Samir Handel participer et dans l'assassinat président Jovenel Moïse, c'est une cerveau. Faut chercher des preuves convaincantes, des preuves concluantes. Parce que qui ça? Là, nous sommes en situation de combat. C'est comme si c'est bataille l'État haïtien à bataille avec autorité turque, à bataille avec autorité jamaïcaine pour faire deux mouns retourner en dedans pays. Donc, si on va adresser une note avec autorité turque, on va adresser une note avec autorité jamaïcaine, ok, il faut qu'on contexte. Bon, préféré dans situation ça, yo te prend tout ça qui gen pour dans rapport de CPJ comme élément de formation, yo prélevé qui lié ni par la chose ni Samir Handel avec assassinat Jovenel Moïse, yo te metel comme pièce jointe. Au moins le ça, ou t'as pour tout incident, toute relation, toute interdépendance qui gagne entre Samir Handel, entre par la chose avec assassinat Jovenel Moïse, là au moins ou t'as pour argument beaucoup plus poussé, argument beaucoup plus convaincant, qui t'a au moins étayé ça qui gagne comme culpabilité, qui t'a découvert, faire moun yo comprendre effectivement, ni par la chose, ni Samir Handel, ces deux présumés assassins, yo investi, yo participé, yo lié avec sa crivelle président Jovenel Moïse. Moun yo pas dit en rien sérieux. Mais note là dans l'écran là nous Carole pas dit rien sérieux dans ça qui vient pour avec assassinat Jovenel Moïse. Dans ça qui vient pour avec information y a bail soit assassinat Jovenel Moïse.
Et comme si yo dou la Samir Randall et OK, Samir Randall yo déterminé que li c'est une nan moun qui participait dans assassinat Jovenel Moïse. Étant donné que Gary Aurélien, étant donné que commissaire du gouvernement qui était là et avant té meté yon mandat de elle, bon li té vinn marron etc. bon kounye la même mandat a vinn changer et en mandat d'amener. Donc yo a cherché elle. La loi vige en Turquie, qu'on y a un juge d'instruction sur le dossier, hein? Faut qu'il arrête, faut qu'il mène le vini pour juge d'instruction, tendez-le pour juge d'instruction, déterminer culpabilité, est-ce qu'il va le voir pour le juger, etc. Pas de bagaille comme sa pièce, pas de bagaille comme sa pièce. C'est temps perdu, temps perdu, temps perdu. Moi, m'espérer, qui ça m'espérer? Nous allons arriver dans la limite 7 février 2022, très prochainement, non, moi encore là. Qui ça doit faire dans l'intervalle ça? Au moins, l'Ariel Henry a privé dans tellement d'un président Jovenel Moïse. Peut-être là, Ariel Henry a wagon pardonnable. Si et seulement si, nous t'avons qui avancé, qui fait tout bon, qui pour permettre à ce que, gon minimum de vérité qui baille sur sa crise Jovenel Moïse. Gon minimum d'informations, gon minimum éléments. Nouveau qui rentre dans cadre enquête là que juge d'instruction Gary Aurélien t'a utilisé pour éteindre vérité pour faire connaître ça qui passé pour conduire moun sa yo traduire moun sa yo devant un tribunal criminel pour juger au moins là ça t'a gain pardonnable mais déjà là nous comment tout bagarre passé déjà là on comprend que ni Jean Généus dans tête ministère affaires étrangères pas gain yo pas aucun souci. Question assassinat Jovenel Moïse, Jovenel mouri déjà, bah, comme ça pas gardé encore. Ni Bertodor, c'est dans le ministère de la Justice, bah, comme ça pas gardé. Parce que nous, moun yo, à force que pas une bonne volonté, à force que nous, moun yo, pas motivé pour faire respecter souveraineté pays, hein? À force que nous, moun yo, pas gagné aucun intérêt pour sacrifier Jovenel Moïse, pour empêcher à ce que leur nouveau président vienne pour même situation pas reproduit. Donc, tout le monde a pris les affaires par eux. Tout le monde déterminé pour cacher ça qui passe. Tout le monde déterminé, tout le monde a travaillé de manière et interdépendante. Tout le monde a travaillé une avec l'autre, une corrélation. Tout le monde qui participait, qui connaît nos cités, qui connaît impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse. Et c'est ça que femme dit non. Assassinat Jovenel Moïse, c'est la mafia même qui campe d'elle. Parce qu'on pas imaginer, on pas imaginer même une seconde. Pour yon dou yon assassiné un président au pays. Et pour pralouer toute légèreté ça qui gagne. Moi, je ne vais pas oublier. Je ne vais pas oublier. Jovenel Moïse assassiné 7 juillet. Le 12 juillet, président colombien lui prend la parole pour l'expliquer que colombien ça a été rentré en Haïti. Moun qui te embauché colombien yon. Malgré tes petit groupe dans mercenaires dans assassin qui te connaît qui mission te vinn fait mais majorité colombien on dirait que yo pas te connaît c'est piégé etc. Donc nous on dans même situation côté que colombien ça yo participé yo gain non capacité dans assassinat en président nous est président pays yo président la caillou déterminé pour défendre yo. Même leur moun yo c'est assassin, même leur moun yo c'est des présumés assassins, des présumés tueurs criminels yo, yo gen moun k'ap défend yo. Yo gen moun k'ap défend non yo, yo gen moun k'ap défend nationalité yo. Yo gen moun k'ap défend action yo. Et pour pral di nous même la kay nous gen président nous yo assassiné, nous gen président nous yo mutilé, yo tué dans des circonstances et très bizarre des circonstances aujourd'hui nous pas en mesure pour nous déterminer ça qui passé hein? Et puis ou après gen nèg qui fait partie de gouvernement ça hein? Ou après gen nèg qui c'est ancien allié Jovenel Moïse des soi-disant allié Jovenel Moïse yo même yo déterminé pour cacher vérité hein? Yo déterminé pour yo souiller pour yo fait carré passer en bas pied souveraineté pays hein? Donc qui dans qui pays ou vivre là dans qui société ou vivre là. Donc nous-mêmes comme peuple, nous-mêmes comme haïtiens, nous avons un seul intérêt. Nous avons un seul intérêt. Je dis en là, année ça, nouvelle année, son année de combat lié. Li pas une année grien dans, li pas une année pour nous défendre notre petit clan, notre petit groupe. Non. Un ensemble de bagages qui passent dans l'année 2021, nous supposons prendre en considération. Nous supposons songer, nous supposons tirer des leçons de yo et avancer.
Parce que nous pas qu'à admettre toujours, nous pas qu'à nos situations pour n'a accepter casser faire couvrir ça. Yo touyer président casser faire couvrir ça. Yo touyer éminent avocat casser faire couvrir ça. Yo touyer journaliste professionnel qui a fait de bon travail dans pays casser faire couvrir ça. Massacre fait casser faire couvrir ça. Kidnapping fait casser faire couvrir ça. Et bien finalement et comme si nous laguer pays en bas un groupe assassin, bas un groupe gang qui yon même jodi an, c'est des gangs légaux, des bandits légaux yon yon dedans pays an. Nous ba yon le plein pouvoir pour yon finir avec pays an. Nous ba yon le plein pouvoir pour yon faire ça yon vle. Et puis après podcast yon, nous pral vin plein, nous pral vin crier, nous pral vin parler en pile comme si c'est journaliste seulement qui gen responsabilité pour dénoncer, c'est journaliste seulement qui gen responsabilité pour prendre engagement, comme si nous même qui fait partie de population, nous pas là, nous pas exister. Combat pour Haïti, c'est un combat qui doit impliquer nous toutes. C'est un combat qui doit impliquer nous toutes. Et dossier assassinat président Jovenel Moïse, ce n'est pas loin de terminer. Non, ce n'est pas loin. Parce que, étape par étape, petit à petit, n'a pas avancé. N'a pas avancé. Et pas en affaire, c'est de petits pas qui ne peuvent mener nous nulle part. C'est de petits pas qui ne peuvent mener nous nulle part. Puisque, c'est un ensemble de monde qui est extrêmement important pour le déroulement de l'enquête là. C'est moun sa yo yo joine liberté yo. C'est moun sa yo qui finalement qui pa ganyen pour reprocher, qui pa ganyen pour wè avec dossier Jovenel Moïse, parce que pays côté yo est à laver, pays côté yo est déterminé que yo pa voye en Haïti pour yo venir répondre question. Donc quoi faire de petits pas, c'est de petits pas qui pa servir rien. Et finalement bon matin on attendé soit juge en décide de déporter le dossier etc., soit juge en décide li même li laver mais tant que Pilate, ou bien tout et nous passons dans l'oubli. C'est la pratique haïtienne. Nous passons dans l'oubli. À bon entendeur, salut. Dossier Jovenel Moïse, n'a décidé qu'on s'en a fait avec. Nous sommes en 2022, pas vrai? Bien. Nous comptons là, nous rentrons dans la nouvelle année. Est-ce que nous consacrons l'État? Est-ce que nous connaissons qui ça l'État représente? Qui ça l'État veut dire? Puisque nous toujours dans la vie, l'État c'est nous c'est l'État. Donc, nous pensons que nous consacrons l'État. Je vais vous expliquer nous rapide vite. Lorsqu'on a parlé de l'État, il y a deux connotations possibles. Il y a deux sens possibles nous kabali. Dans le premier temps, lorsqu'on a parlé de l'État, nous avons considéré ensemble institutions étatiques. Donc, par exemple, ministère, secrétaire d'État, direction générale, douane, port, tout ça qui constitue le pouvoir public, là, nous relève l'État. Il fait partie de l'État, c'est le symbole même de l'État. Mais non l'autre sens qui est plus large, qui permet de nous considérer trois éléments constitutifs qui permettent de nous parler de l'État. Premier bagaille, c'est un bout de terre, territoire. Deuxième élément, c'est population, peuple haïtien. Et troisième élément, c'est pouvoir public là, qui pral permettre ou déterminer souveraineté. Et là nous parler de souveraineté, c'est lui-même qui pral dire où son peuple souverain, l'autre nation doit respecter ou doit respecter l'autre nation. Et c'est à travers souveraineté ça, nous pral gagner ça qui relait autodétermination de peuple à disposer de même. Autodétermination de un peuple qui pral permettre nous prendre décision, nous pourquoi nous grand monde tête nous fait ça nous voulons, gens nous voulons notre pays pas qu'il doit venir fourrer bouche dans affaire nous etc. Mais malgré aujourd'hui là, yo considérer l'État haïtien, yo considérer Haïti comme un État avec grand E, mais gon paquet bagay qui manque nous. En termes de souveraineté, est-ce que aujourd'hui on a parlé de l'État, nous ka ramener sous table la notion de souveraineté? Est-ce que nous sommes peuple souverain? Est-ce que nous grand monde vrai? Est-ce que nous fait respecter souveraineté nous? Est-ce que nous-mêmes, comme Haïtiens, nous faisons respecter la souveraineté pays nous? Nous parlons pour nous battre, pour nous défendre la souveraineté pays nous? Autodétermination de peuple, est-ce que nous gagnons la caille? Est-ce que nous faisons respecter? Est-ce que notre pays respecte? Est-ce que notre nation respecte? Ça, c'est des points extrêmement importants pour nous prendre en considération, pour nous prendre en compte. En 2022, là, on a parlé de l'État. Et d'ailleurs, nous parlons plus loin. Parce que quelque chose est extrêmement important. Lorsqu'on a parlé de souveraineté aujourd'hui là, lui permet à ce que autorité l'État yo fait respecter pays yo. Autorité l'État yo paraît pour défendre pays yo, paraît pour défendre peuple yo. Mais actuellement là, notre pays nous gagne un gouvernement qui est illégitime. Nous avons un premier ministre de facto.
Nous avons un premier ministre qui mettait en vigueur la constitution pays, mais qui a dirigé sous base d'un accord. Yon accord, nous carrélé l'on accord de green gauche, puisque je dis en la, majorité moun qui fait partie de l'accord ça. C'est des moun qui tap poussé population à la violence, c'est des moun qui tap induit jeunesse en erreur, c'est des moun qui pa gen rien pour eux dans intérêt collectif, dans bien-être population. Qui pa gen rien pour eux dans ça qui relé intérêt général, intérêt collectif. Maintenant, on a parlé de l'État. Est-ce que nous avons considéré aujourd'hui l'autorité de l'État, ça, c'est des autorités valables qui sont là pour faire respecter l'intérêt de la population haïtienne? Comment est-ce extrêmement important? Ou fin comme ça qui l'État qu'on y a? Mais l'État a un rôle, l'État a une mission. L'État a une mission première qui c'est bailler la population service. Et tout ça peut pas ici mande aujourd'hui là, c'est sécurité. En termes de sécurité, en matière de sécurité, zéro barré. Si nous ta font parallèle pour nous considérer agissement autorité l'État dans ça qui gien pour avec sécurité, dans ça qui gien pour avec protéger vie moun, bien moun, nous te quand même considérer nous pas gien l'État. Nous te quand même considérer nous pas gien autorité en dedans pays ça, puisque nous ouais, le pour yon fait déploiement, le pour yon déployer gros troupes pour déployer plusieurs unités dans la police pour lever des filles au fel pour montrer aux ses chefs pour montrer aux gain droit. Mais quand il s'agit de protéger population, quand il s'agit de préserver les acquis démocratiques dans pays, pas de l'État, pas de autorité. Alors que l'État c'est river concilier intérêt collectif là, c'est river réduire inégalité sociale yo, inégalité économique yo, côté résultat. Nous commençons à là, faut que nous commençons à prendre conscience. Nous avons l'État pachiman, nous avons l'État de grain gauche, nous avons l'État sans coucha qui pas régler rien. Mission yo là, rôle yo là, objectif yo là, mais yo pas respecté. Yo ne pas respecté. Nous trouvons nous dans une situation côté que l'État en échec. L'État en échec parce que yo manqué avec obligation. Nous avons l'État qui défaillant puisque wòl yo pour concilier intérêt public là, intérêt collectif population, rivé bay citoyen ou concitoyen au service, yo pas fait. Mais yo plus rentré dans logique pour concilier intérêt mafia, yo plus rentré dans logique pour concilier intérêt groupe gang dedans pays, protéger intérêt anti groupe et puis après pral tande, yo pral dou c'est l'oligarchie corrompue. Mais qui est-ce qui crée système oligarque corrompu ça? Ce sont les autorités de l'État. Président passé yo, premier ministre qui passé yo, ministre qui passé yo, tout le système nan c'est yo même. C'est eux-mêmes qui concilient intérêt en petit groupe monde en minorité au détriment de la grande majorité, au détriment de peuple. Donc lorsqu'on trouve dans une situation, lorsqu'on vit dans une société côté que l'État fait échec avec propre mission, l'État fait échec avec propre rôle, propre responsabilité le gain vis-à-vis de population, pas gain l'autre bagaille. Pas gain l'autre bagaille ou qu'a dit que l'État en échec. Donc si l'État en échec, il n'est pas en mesure pour concilier intérêt collectif là, il n'est pas en mesure pour protéger intérêt grande majorité, ou vient trouver face avec un l'État oppresseur. On l'État oppresseur, on l'État côté que population masse défavorisée, sac plus faible, c'est eux même l'État torturé, c'est eux même l'État mettre pied sous cou, c'est eux même l'État marginalisé parce que je dis là à la Cité Soleil, cherchons qu'est-ce assistance sociale. Au pas besoin. À la Cité Soleil, chercher des centres de santé, des centres communautaires, au pas besoin. En 2022, l'inadmissible pour malade pour poser des questions dans qui l'hôpital ou calé, qui l'hôpital cap recevoir, qui l'hôpital cap bon service. Non, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est pas l'engagement des autorités, c'est pas la mission de l'État. L'État a une mission pour réduire l'inégalité, pour réduire l'école. Je dis à la, on est en haut, on est un grand nègre, un grand bourgeois, un mafia économique, le malade, qui ça l'a fait la prend avion pour aller aux États-Unis, la prend avion pour aller au Canada pour aller prendre soin. Mais nous-mêmes qui fait partie de masse défavorisée, nous-mêmes qui fait, nous-mêmes yon marginalisé, yon réduit rien, le nous malade,
Là nous gon mal tête ou mal dent, nous obligé à réfléchir qui l'hôpital qu'a recevoir nous si nous gain 500 goud, qui l'hôpital qu'a recevoir nous si nous gain 1000 goud, si nous pas gagner même, n'a pas obligé pour un bout de lait pour mettre sous dent pour marier mâchoire. En 2022 bagaille ça ou inadmissible. Alors que dans le pouvoir public là nèg a bataille, nèg a frappé l'estomac, y a douze autorités ou ses chefs, yo vle montrer yo ses chefs tout bon. Mais si bagay basic sa yo, si bagay minimal sa yo, yo pa ka bay population. Yo pa en mesure pour yo bay service, yo pa en mesure pour yo réduire misère, pour yo réduire inégalité, mais y a concilier intérêt mafia yo. Y a concilier intérêt gang yo. Y a concilier intérêt des petits bourgeois qui pa gen aucun intérêt pour protéger masse peuple, pour protéger, pour retirer population en misère là. Voilà qui l'état nous gagne. Nous avons l'état défaillant parce que l'autorité a perdu mission, a perdu mission de vue. Faut nous poser tête nos questions. Qui ça veut dire concilier? Faut nous poser une question. Parce que tout au long de l'émission, nous avons parlé de l'état, c'est concilier les intérêts collectifs, intérêts grande majorité en série concilier. Donc, faut nous poser une question. Pourquoi ça veut dire concilier? Nous avons parlé de conciliation. Concilier, c'est mettre ensemble. Faire aller ensemble, comme si nous trouvions une situation, nous harmoniser tout ça pour nous unifier, pour nous faire bagaille aller plus facile, plus fluide. Eh bien, on va poser cette question. Si l'État, si l'autorité, ça n'est pas en mesure pour concilier l'intérêt de la majorité, nous, c'est l'intérêt minorité, c'est l'intérêt moun sa yo qui a oppressé, c'est l'intérêt oppresseur, c'est eux-mêmes qui ont protégé. Donc, on est obligé de poser cette question pour qui sa autorité l'État ça malgré yo a fait ça passer en dedans pays, c'est eux même qui c'est des privilégiés. Réponse en simple. Nous pas qu'on pas qu'autorité autorité pour ban nos services, mais c'est groupe moun sa encore nous qui dans luxe. C'est groupe moun sa encore qui gagne l'argent qui bamboché qui gaspillé. Pour qui ça c'est des privilégiés en dedans pays parce que nous pas gagne un système judiciaire qui fort. La justice dans pays nous pas travailler. C'est la défaillance de la justice point bord. Donc si nous gagne un système judiciaire qui défaillant, qui pas bail service, qui pas bail rendement, n'a toujours trouvé nous en situation côté que a gagne inégalité. A toujours un groupe moun lè ou vin dans l'état, lè ou vin non poste, yo ministre, secrétaire d'état, yo directeur général, y a toujours vin voler. Y a toujours vin prend fourré menan qu'est-ce l'état prend pour y aller. Et nous même qui fait partie de population, nous même qui n'en besoin, n'a toujours n'en besoin parce que moun sa yo pa gen objectif pour yo bay résultat. Seul résultat yo gen pour yo bay, c'est fourré men prend voler et puis aller. Donc, si l'autorité ça yo pas en mesure, yo pas en mesure pour réfréner l'inégalité qui gagne là dans la société, yo pas en mesure pour réduire l'écart qui gagne moun qui riche yo, entre moun qui pas gagne rien même yo. Donc place yo pas là. Et si place yo pas là, c'est pas en douceur yo pralé. Si place yo pas là, c'est pas un bon matin n'a pas dit ah tu sais monsieur le ministre ou pas ka bay résultat faut aller faut quitter tête ministère là. Non, yo pas praler comme ça. S'il faut un changement au pays, son changement dur qui pou fait. Bagay yo pas gen jouet kounye. Nous pas son 2021, n'a fait fil en langue avec monsieur, n'a fait fil en langue, n'a caressé yo pour nous wè ki ça yo te ka bay comme changement. Yo pas bay rien. Nous employer la manière douce avec yo pas bay rien. Haïti pas changer du jour au lendemain, notre caresse, notre dialogue et continue avec un groupe moun qui prend deux bouts de coton, qui prend deux roches fourrantes dans tous oreilles. Non, changement pas passer comme ça. Faut qu'il y ait dialogue, oui. Faut que dialogue là inclusif, oui. Faut que dialogue là li franc, faut que li sincère, oui. Mais c'est avec moun qui gen volonté pour dialoguer. Ça li extrêmement important. Parce que nous pas capable passer toute vie nous pas capable déterminer avenir pays sous bonne volonté un groupe malfrat. Non. Nous pas capable déterminer avenir en jeunesse, avenir génération qui vini là sous bonne volonté un groupe malfrat. Alors que li clair, li évident, li paraît clair dans coup de l'eau. Dans coup de l'eau roche que nèg yo pas aucune bonne volonté qui anime yo. Li paraît clair que nèg sa yo pas aucune intention pour libérer pays.
Eh bien, si vous n'avez pas d'intention pour libérer le pays de plein gré ou de propre chef, eh bien, il faut un changement de paradigme. Il faut une nouveauté qui fait. Il faut que nous venions avec un autre. Bah, il faut que nous venions avec un autre moyen de bataille. Il faut que nous venions avec une nouvelle stratégie. Il faut que nous venions avec de nouveaux moyens d'attaque. Parce que nous, le dialogue n'est pas barré. Violence n'est pas barré non plus. Violence n'est pas barrière. Mais révolution. Révolution pas faite sans violence. Révolution faite de manière brutale. Changement de paradigme fait de manière brutale. Mais à qui veut l'entendre, il y aura toujours des cibles. Et si bio pas doué population civile là. Si bio pas doué frère sur compatriote qui dans même misère avant, dans même souffrance avant. Si bio pas ka même nous même yo marginalisé même yo même yo appropriété nous pas ka cible encore nous pas ka font bataille pour changement pays et puis c'est nous même qui cible encore non jodi an là nous dans situation pour nous viser pour nous identifier les vrais ennemis de la nation il faut les identifier et une fois nous fini identifier yo nous pral wè que l'état nous pral wè que autorité l'état yo manqué avec rôle yo manqué avec mission yo. Parce que l'on détourne de mission, de conciliation, ou t'as dû faire pour ensemble population, pour l'intérêt général, pour le collectif, ou est-ce que c'est un petit groupe de travail. Donc, il y a qui s'arrive dans une situation côté que. Rôle ou mission ou détourne. Sous détourne l'intérêt en groupe monde maintenant. Maintenant, il faut qu'on réponse qui baille. Ni avec vous-même qui détourne de objectif ou de mission, là, ni avec groupe moun sa yo qui utilise yo, qui utilise le système dans notre propre intérêt. Yo. Pas un jouet, pas un jouet là dedans l'ounia. Pas un jouet. Pas un jouet. Pral di nou ki constant fait. Malgré jodi an la majorité papa ici, même j'en avais, nous qui problème qui gagne dans le pays, nous identifions acteurs qui causent problème, qui causent instabilité, qui mettent des âmes dans les jeunes dans le ghetto, etc. dans le pays, nous tout nous yo. Mais rive, longe doit être sous yo. Rive révolte contre moun sa yo, li paraît extrêmement difficile pour ne pas dire l'impossible. Pour qui ça? Parce que nous ne pouvons jamais prendre conscience que moun sa yo, d'autant. Yo, sous scène politique là, d'autant fait partie de monde qui prend décision pour Haïti. Parce que je dis là, yo prend pays, yo prend Haïti. Yo mette Haïti face avec un système néocolonialiste, yo mette Haïti face avec un système capitaliste côté un seul groupe moun gen monopole là. Ou pral di tè tout, est-ce que li possible? Est-ce que Haïti gen chance pour le prendre liberté? Est-ce que Haïti gen chance pour le sortir en bas griffe oppresseur ça yo? Est-ce que Haïti ka fait ceci? Est-ce que Haïti ka fait cela? Est-ce que Haïti a jam libre de dans pays ça? Nous tout temps poser tête nous question. Si nous tout nous faire constat ça. Nous ouais nous face avec un l'état qui servile. Nous face avec un l'état qui c'est tout un groupe moun mais qui pas bail population service. Nous face avec un l'état qui pas en mesure pour répondre avec besoin population qui ça qui doit faire c'est pas seulement dit et n'a fait tabou la rasa pral gon changement de paradigme faut tout bagay yo changer bagay ça pas venir avec la parole seulement il faut passer de la parole aux actes et pour ne passer de la parole aux actes c'est pas seulement moi même c'est pas seulement lui même c'est pas seulement yo même c'est nous toutes la parole aux actes c'est nous toutes qui pour impliquez-nous. C'est nous toutes qui pouvons prendre conscience que Haïti besoin nous toutes. Nous chaque grain nous gain rôle nous dans changement, nous chaque nous gain rôle nous dans bataille qui doit faite là. Et puis nous faire ce que de droit. Nous faire ce que de droit. M'bra dit non bagaille qui snap. Nous bouquer rester dans logique, j'ai ouais bouche pas parler. Moi m'avant décider ouvrir bouche pour me parler. À la limite de la diffamation, moi même toujours dit, j'ai la loi de ma bouche. Bouche moi relève pas. Opinion m'relem pam, idée m'relem pam. À la limite de la diffamation. Parce que m'pas là pour m'vine vous y monter, m'pas là pour m'vine faire buzz, m'pas là pour m'vine faire propagande pour quiconque. M'la pour m'dire vérité, à la limite de la vérité même. Vous pouvez comprendre que, si jodi à la na vive dans une société, côté que nous tout ouais, mais nous tout choisi, nous fermons bouche, nous pas parler, nous tout mourir déjà.
Nous tout mourir déjà parce que comme pral di non bagay qui t'est arrivé moi-même l'homme t'ai choisi rentrer dans bataille ça dans combat pour changement Haïti dans combat pour ba information dans combat pour m'accompagner. Gon groupe moun ki te di bon ami koufou datou wè pays ça konsol là ou grandi là dans wè tout bagay wè moun ki passe moun ki vinyan et pas jam régler ou même ou choisi pral rentrer dans bataille ça kon paquet moun ki te décourager mais dou combat ça modèle de combat pral rentrer là dans la pour Haïti c'est deux bagay. C'est deux bagailles. Soit yo censure, soit yo faut fermer bouche yo fout au prison ou bien yo bon bal yo voye six pieds sous terre. Tout moun dit ou même on regarde les vidéos qu'on écrit on dit prend précaution, fait prudence etc. La prudence est de mise, ça est extrêmement important. Mais imaginons ou pas parler j'ai un propre imaginons ou pas parler, jodi an la, ou malade, ou obligé à poser tête aux questions qui l'hôpital qui ka recevoir. Imaginons jodi an la, sécurité en c'est l'état de priorité autorité l'état yo. Yo pas même en mesure pour yo protéger institution la police, yo pas même en mesure pour yo encadrer policier yo. Yo pas même en mesure pour yo faire valoir principe qui gagne dedans PNH. Et puis nous parler de sécurité. Donc c'est pour vous dire ou parler ou mourir parce que yo approprié ça jusqu'à ce que ou rend dernier goutte de sang jusqu'à ce qu'on rend dernier goutte de l'eau dans corps ou parler yo ka tout yo dou yo ka censure tout mais préfère parler gen moun ki tando gen moun ki prend conscience gen moun ki paré pour bataille gen moun ki paré pour engager dans lutte là au lieu choisir mourir en silence et puis rien pas changer l'amour pas servir à rien l'amour pas servir à rien. Il y a des gens qui prennent, mais valait des gens qui mourent en Haïti, valait des gens qui t'ont dénoncé mourir, à qui ça l'a mort au service. Est-ce que nous pas ouais payant toujours le même genre? Est-ce que nous avons des changements? Est-ce que nous avons des évolutions? Non. Des évolutions. Des évolutions. Parce que je dis là, il y a des gens qui prennent conscience. Les gens qui prennent conscience, c'est ça qui arrive au minimum. Mais peu à peu, petit à petit, cal par cal, plus les gens qui prennent conscience, plus les gens qui sont impliqués, c'est plus la bataille qui prend plus loin. C'est plus moun k'ap vize un changement, c'est plus moun k'ap gon lot idéal, k'ap gon lot vision pour Haïti. Parce que pas parler, yop torture ou ap mouri, parler, yop torture ou ap mouri. Donc il faut se rebeller. Il faut se rebeller, ba yo bagay ou pa bagay yo pa gen menti la dan yo. Donc nous rive nou situation, nous rive à la limite. Nous rive à la limite, nous pas capable encore, nous pas capable, nous pas capable kembe encore. Nous seulement dans le troisième jour de l'année, déjà mon a mouri. Déjà pour des sécurités à l'entrée dans 2022, à traîner le derrière dans 2022. Instabilité politique là, yo traîner derrière dans 2022. Chaos, vide institutionnel yo, déjà que des décisions qu'a prend ni pas bon côté autorité. De facto qui en place yo ni pas bon côté allié yo qui campé derrière red pour yo pa konnen parce que yo tellement prend plaisir dans créer chaos en dedans pays hein yo tellement prend plaisir dans créer instabilité en dedans pays c'est là-dedans yo fait cobio c'est là-dedans yo fait beurre et d'ailleurs je vous le dis le chaos politique en Haïti c'est source d'investissement lié c'est source d'investissement le instabilité politique nèg yo fait plus cob nèg yo fait plus cob. Le gè chaos sa yon dedans pays yon nèg yo fè plus kòb parce que institution yo yo pa bay service, pa gen reddition de compte ka fèt, CSCC a pa travay, kou de compte pa travay. Donc nèg ap dépose l'argent, nèg ap gagote l'argent, tout moun ap reglize a fè pa yo. Et puis nous même qui fait partie de population n'ap mouri a petit feu, n'ap mouri ti bout pa ti bout, petit nou pa ka l'école, société en divisé. C'est pas possible. C'est pas possible. Jodi an, si n'a considéré que la police est première institution qui d'application, nous rencontrer policiers tout partout en dedans pays an. C'est première institution qui vraiment actif si nous ka di le comme ça. Et puis l'on regarde. On regarde état policier pour 2022 là comme pas vraiment et actif dans la rue pour me tabanou en bilan mais gè des policiers qu'on a regardé mes amis. Policiers ont tellement désabusé. Policiers ont tellement malmené. Ou regarde uniforme sous policier fini cheveux dans tête policier mais autre policier ou regarde ouais bon dieu
comme si moun nage toute qualité problème mais le gon obligation pour venir camper dans la rue venir faire circulation pour faire point fixant li obligé venir parce que lui même il choisit être honnête il choisit pas rentrer dans groupe gang il choisit pas faire ceci parce qu'il choisit pas faire cela et c'est ça qu'il faut prendre un paquet de policiers qui dans gang jodi an parce que l'institution la police pas vrai pas voyager sur yo si policier ou regarder dans la rue li tan couchan kan ou regarder policier li mal vertu li mal tenu. C'est pas responsabilité policier, c'est responsabilité institution. Policier a pas qu'à faire uniforme la police. Policier a pas qu'à faire uniforme la police. C'est nous-mêmes qui pour prendre ça en considération, prendre ça en charge. Nous pas qu'à traiter policier, on n'est pas de gens. C'est image payant, c'est image société. Nous pas comprendre, nous pas qu'à aucun intérêt. Nous pas qu'à aucun. Franchement, on n'a pas parlé de autorité en dedans pays. On n'a pas parlé de pouvoir public. On n'a pas parlé de l'État en dedans pays. En termes d'institution. C'est lave messiade. C'est lave messiade. Bagay sa, c'est rel kamakorel. Bagay sa, bay dégou. Bay dégou. N'a pas courage policier pour nouvelle année. La, kebe ferme, kebe ferme. Nous gon mission de dans PNH, c'est protéger et servir. Gen moun ki pense, gen moun ki mette nan tête yo, na fon job, et yo paye nous pour nous prendre risque. Na fon job, yo paye nous pour nous mourir, yo paye nous, etc. etc. Mais bon, dis nous, nous c'est des policiers, nous c'est des valeureux combattants. Nous avons une mission pour nous protéger la population, pour nous servir la population. Indépendamment de toute attaque, indépendamment de toute situation d'inconfort nous avons trouvé là-dedans, toujours songer mission, toujours songer engagement nous prend pour nous faire respecter la vie, pour nous défendre. Ça est extrêmement important. Pas quitter aucune bagarre, aucune situation de vie. Nous. En pile parole qui a parlé, en pile vieille parole qui a parlé sur nous, mais. On nous continue bataille là, on nous continue kembe engagement. Ça a été message pour policiers pour combattants nous, il faut nous encourager. Oui, moment arrivé là pour mettre en bout dans l'émission mon éditorial pour jeudi. M'a rappelé nous encore une fois. Jeudi c'est 1er lundi janvier. À la 8e, n'a pas qui décision premier ministre Ariel Henry pral prendre avec tire Sénat. Et parce que nous nèg yo vle fin craser tout tire institution en dedans pays an, nous nèg yo vle mettre démocratie à terre plate, yo vle fin craser tout institution républicaine en dedans pays an. Donc nous là n'a garder n'a suivre, nous là pour nous commenter, nous là pour nous aider comprendre ce qui a passé en dedans pays an. Et bien rendez-vous là, li casser pour demain sur même chaîne dans même lieu, des micro présentations, c'est toujours même Yannick la même voix. On n'est pas changé, merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, oui, chez Chanel Paola, pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix. On y est, pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.